Merci Samuel Nizik.
gloire à Jésus, nous vous accueillons encore dans ce deuxième culte. Et nous bénissons tous ces membres qui ont voyagé, qui sont revenus. Et joyeux anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et nous voulons écouter la parole du Seigneur. Ceux qui n'étaient pas avec nous ici la semaine, on était gravement, sérieusement et merveilleusement bénis ici. Par un message fort de l'apôtre Christian qui nous vient de Kikwit. Ceux qui étaient en direct, même s'ils n'étaient pas la semaine, on a partagé ces vidéos, c'était formidable. On a reçu des commentaires de partout. Des gens qui étaient bénis par ces messages. Et nous bénissons tous ces gens qui sont déjà scotchés sur notre page Facebook, ceux qui nous sont en direct sur YouTube. Que Dieu vous soit favorable. Continuez à partager ces messages pour qu'un maximum soit sauvé, touché, édifié par ces messages. Le temps que l'homme de Dieu se rafraîchit un peu, dont le mardi nous a parlé sur les testateurs et les testaments. À titre de rappel, ceux qui n'étaient pas là, il a exploité Hébreux chapitre 9e. Verset 15 à 16, c'est là qu'il nous a parlé des 5 choses que nous héritons de nos parents, les visages, les noms, les sangs, les biens matériels ou financiers, mais aussi des esprits impurs. Les visages, les noms, les sangs, les biens matériels ou financiers, et aussi des esprits impurs. Et c'est là qu'il a focalisé surtout sur la manière dont l'attitude, qu'est-ce qu'il dit, l'attitude du testat, de l'héritier, disons. Et on était ça qui sous sous natin à l'olingé et à mon esprit là sur vous. Beaucoup plus insisté sur le fait que nous sommes héritiers, nous devons grandir. Avec cet ancien tapis sur tous les abanons basos, c'est la bosse tata dans ce qu'il là. Il a fait asseoir son message dans Galates 4 verset 1 à 2. On a fait ce matin dans Galates 4. Où la Bible dit tant que l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. On a dit mon esprit là sur vous, c'est ça même moi là à qui c'est qui là mon humble. Et le testateur c'est le Seigneur Jésus. Mais mon commisant comme qui nous a laissé sa parole, et cette parole a reçu la vie lorsqu'il est mort et ressuscité. Parce que Hébreux 9 dit tant que le testateur est encore en vie, le testament n'a pas de valeur. Et c'est là qu'il va clôturer dans cette merveilleuse citation que je suis en train de paraphraser. Il a dit que nous ne pouvons pas être victimes de testaments négatifs du diable venant de nos familles, parce que le diable n'était pas mort. Amen. Amen. Bah, malédiction, on a un pouvoir, les colonnes à bisauter. Dans l'évangile, je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. C'est vrai. Parce que héritage négatif, voilà Satana. Et qui a influence, il y a un testament, il y a une influence, ce qui a été un testament à Koufi. Satan a Koufate. Il continue, c'est un esprit, il continue à vivre. Il attend le dernier jour, il sera jeté dans le lac de feu, dans l'enfer. Le vendredi, on était encore béni ici. Là, il nous a parlé de l'adoption des jumeaux. C'était encore merveilleux. Et on a compris la loi de la disqualification. Et la loi de la qualification. Il a exploité deux merveilleux textes. Genèse chapitre 48, à partir du verset 1, et Genèse chapitre 49. Amen. C'est là qu'il nous a montré ces merveilleuses lois de jumelage, où
de la qualification de la disqualification. Nous a montré dans une démonstration simple, lorsque deux corps s'unissent, il faut que l'un domine l'autre. Amen. Nous venons de nos familles avec nos malédictions, jumelées en Christ. C'est la nature de Christ qui domine. Ça, c'était formidable. Il a montré comment Ephraim et Manassé, ils sont nés en Égypte. C'était les fils de Joseph. Mais quand Jacob est venu, il devait les adopter pour les intégrer dans sa lignée. Amen. Et il a fait, et c'était merveilleux. Désormais, Ephraim et Manassé, qui naquirent dans un pays maudit, ils ont été introduits dans une race bénie. C'est pourquoi dans la vie, il faut savoir aussi faire des alliances, des bonnes alliances. J'attends quelqu'un dire amen. 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 Du pambo, espèce mouba bénédiction côté à la famille. Amen. Est-ce que tout le monde zoloba? Amen. C'est ce qu'il a montré avec Jonathan et David. David est venu d'une famille. Même quand on a été côté à la maman Zalara roi. Amen. Amen. Mais fallait écouter à Jonathan pour avoir été prince, pour avoir ADN, espèce ou la nature ou la royauté. Bien qu'Azaki n'a promesse, il y a aucun roi, mais fallait contact, alliance, connexion. Que Dieu te fasse grâce. Et des ambassadeurs. Écoute, tu as moi sénateur, mon pour grâce, on a un sénateur et contre la famille. Alors, tu as un pasteur, moko. Grâce à la pasteur et côté la famille. A côté on a député, un ministre, mon combat ni pour que grâce à la travail, le gouvernement et côté la famille. Ça c'est merveilleux. Et quand David et Jonathan se sont unis, la loi du jumelage, la loi de la disqualification s'est manifestée. Amen. Jonathan Melami. Amen. Et David Atika. Ça c'était merveilleux. Alléluia. Oh, il est allé encore plus loin pour montrer comment est-ce que nos malédictions des familles ensemble, en jumelage avec Christ. C'est Christ qui apparaît maintenant. Yaya, Kota, Pula, c'était merveilleux. Qui connaît encore ça? Alors il nous a promis aujourd'hui le dimanche. Nous allons comprendre le mystère de Yaya, Kota, Pula. Tu vois, chaque homme dédié à sa grâce. On ne sait pas attendre tout le monde. Amen, amen. Amen. L'apôtre Christian, il est parmi les hommes de Dieu que Dieu a élevé à Kikwit. Il conduit un grand ministère là-bas. Ministère évangélique international. L'évangile par la louange. Ministère évangélique international, l'évangile par la louange. Vous comprenez que c'est un chantre. Vous sortez ensemble, toi, Yembaka. Mais pasteur aussi. Amen. Amen. Il a ses albums sur le marché. Et Dieu l'a élevé là-bas dans la musique. Il fait un grand travail là-bas. Et il travaille aussi avec notre sœur Sephora. Quand j'ai vu à Sibuit, Sephora qui faisait la caméra et qu'on sort, on dit ah, pasteur Christian, c'est notre papa ici. Amen. Amen. Qui les a moqués, hein? Et ça, vous avez tamboula malé. Tamboula malé. Qui les a boules. Alléluia. Alors, nous allons laisser l'homme de Dieu nous parler. Avec tout le respect qui est dit aux hommes de Dieu, nous sommes en train de recevoir l'apôtre Christian sous vos acclamations. Merci à vous. Très bien, mon Dieu. Merci. Bonsoir, c'est bien fort.
Alléluia. Amen. Nous acclamons Dieu, nous acclamons Dieu. Tu as bien fait d'acclamer l'homme. Est-ce que tu peux vraiment te mettre? J'attends à ce que quelqu'un d'autre va te voir. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie de celui qui nous a aimé le premier? Alléluia. Vous savez, je suis dans la joie de me retrouver parmi vous. Oui, bien sûr, c'est un côté, mais sous 85. Non, maintenant quand même, maintenant. Alléluia. J'ai béni Dieu pour cette opportunité. Là, je viens déjà de prêcher dans les deux cultes de l'autre côté. Et j'ai béni Dieu parce qu'il est fidèle. Et là où je suis sorti, c'est un témoignage. Hein. J'ai commencé à négocier les motos parce que je me disais avec cette heure. Déjà à 7h, prendre les taxis, ce ne serait pas facile pour moi. J'ai commencé à négocier 12 000 francs. Express, 12 000 francs. Express, j'ai dit, quoi? Ngapa? Jusqu'à 12 000. Dis-moi aussi quand j'ai dit arrêter. J'ai négocié. Et du coup, j'ai trouvé un frère qui sort avec une tenue. J'ai dit, tu m'amènes jusqu'au rond-point. Il me dit, entre. Il a dit, ah, tu es bien habillé. J'ai dit, merci. On arrive à rond-point. Il dit, je te paye combien? Il dit, rien. Il dit, tu n'as pas constaté que j'ai une tenue? J'ai dit, c'est quoi la tenue? Nous sommes en train de faire la formation. Nous sommes des paras, si c'est quoi, là, commando, si c'est quoi, je ne sais pas, je ne maîtrise pas. Il dit, j'étais seulement vu quand tu m'as fait arrêter, moi je ne suis pas un Wewa, j'ai juste voulu t'accompagner. Je vois un Wewa qui passe. Le Saint-Esprit me dit pas lui. Et un jeune qui était là, j'ai dit pour m'amener un peu trop, comment tu peux me demander combien? Il dit, est-ce que tu peux me donner 2000 francs? Pourquoi ça va 2000 francs? J'ai dit 2000 francs? 2000? Ah! J'ai dit Petro Congo. J'ai pas dit quartier et il dit oui. Tu vas me donner 1500? Non, j'ai juste posé la question. Dis, d'accord, ne prends plus une autre personne. Je vais te donner 2500. On est arrivé jusque là. Ça s'appelle comme terminus. Et il me dit, toi tu vas jusqu'où? L'église se trouve où? J'ai dit, l'église il faut entrer encore. Il dit, ok, d'accord, je t'accompagne jusqu'à l'église. J'ai dit, quoi, qu'est-ce que tu dis? Il dit, jusqu'à l'église. J'ai dit, bon, je ne sais pas, parce que tu as déjà été ici. Non, je n'ai jamais été ici, mais je t'accompagne jusqu'à l'église. Il dit, pas de souci. Il m'a mené jusqu'ici. Donc, quand tu es là, c'est moi qui frappe à la porte derrière là. Nous étions plein louange, nous avons pété la porte. Il me dit, pasteur, n'ayez côté. Et quand je l'ai regardé, j'ai dit, regarde-moi. Je vais te bénir. Et je lui ai donné plus de 5000 francs. J'ai dit, parce que tu as été bon avec moi, je dois te prouver ma bonté. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Dieu sait qui tu es. Et il sait qui il mettra devant toi. Les hasards n'existaient pas. Et nous, quoi, pendant que j'étais là, l'homme de Dieu a, en tout cas, j'aime. Ça, vraiment, c'est resté dans ma tête. C'est important et avantageux d'avoir un homme de Dieu comme ça. Je suis flatté. Savez, pendant qu'il donnait le résumé de mes messages, il m'a encore poussé à écrire, à ajouter beaucoup de choses. Il a parlé plus que ce que j'avais dit. En peu de temps. Quelle synthèse! Et là, je me suis dit, c'est vraiment un homme de Dieu qui aime les Écritures. Mais nous prions et nous prêchons dans les églises. Tu vas te retrouver dans une église. Dès qu'on te donne la chair, le pasteur rentre dans son bureau et va s'asseoir. Tu fais ce que tu peux faire. Lui, il est là, il suit tout. Et alors, à la fin, il vient pour faire les services parce que c'est lui le chef. Mais c'est pas ça ce que j'ai trouvé ici. J'ai trouvé un homme de Dieu humble, un homme qui a un grand cœur. Et vous allez me donner raison que c'était Jonathan et David qui se sont rencontrés. Mais seulement une chose est vraie, là il n'y aura pas la loi de la disqualification. Alléluia. Pendant qu'il parlait, j'avais déjà mon message. J'avais parlé sur approche
une approche avec révélation. Mais pendant qu'il était en train de parler directement, Dieu m'a changé le message. J'avais parlé sur la frappe du maître. La frappe du maître. Yaya frappe encore. Alléluia. Yaya Kota. Alléluia. C'est de là que je vais parler. Alléluia. Lorsque je parle de Yaya frappe encore, c'est une succession d'enseignements où je suis en train de parler sur la paternité. Je suis en train de parler sur la suprématie de Jésus-Christ. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a même déjà des syllabus que j'ai écrit là-dessus. Aujourd'hui, je serai un peu plus bref pour vous transmettre la pensée de Dieu. Donc je disais, il y a un frappe encore et toujours est une série. Et ça, une série d'enseignements qui a pour but la christocentrique, c'est-à-dire Christ au centre de tout. C'est comme ça que mon ministère est basé. Nous sommes basés sur la christocentrique. Nous croyons à Christ, nous croyons qu'il est Dieu, nous croyons qu'il est mort pour nous, il est ressuscité, il a payé un grand prix pour nous, et sans lui nous ne pouvons rien. Il n'y a que lui. Alors, c'est lui, c'est-à-dire, quand je parle du christocentrique, c'est pour ramener le peuple de Dieu au message de la grâce et de mettre Jésus-Christ à sa vraie place, au centre de la vie chrétienne, au centre de tout. Actuellement, vous allez remarquer que nous sommes en train de tâtonner. Nous ne savons pas exactement qui est Jésus. Et ce qui est encore difficile, vous allez vous rendre compte que même dans les églises, quand tu poses des questions sur Jésus-Christ, les enfants de Dieu ne savent pas réellement qui est Jésus. Et ça fait très mal. Alléluia. Dans cette série d'enseignements également, nous posons les fondements sur les combats spirituels. Vous allez vous rendre compte aussi que le combat spirituel a perdu sa vraie place dans l'église de Dieu. Mais nous sommes dans un combat éternel. Ce combat finira que le jour où toi et Dieu, vous allez vous dire que maintenant c'est un point, tu vas attendre la gloire. Aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, de la même façon que nous avons la nuit et le jour, le combat aussi est là avec nous. Nous ne pouvons jamais minimiser cet aspect. Mais malheureusement, l'église aujourd'hui est mal enseignée, excusez-moi aussi. Vous allez remarquer qu'au lieu du combat spirituel, nous enseignons le combat charnel. On ne comprend plus c'est quoi le combat spirituel. Qu'est-ce qui fait que un combat soit spirituel? Comment combattre? Quelles armes utiliser pour la victoire? Mais en tout cela aussi, nous devons savoir que nous combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce qu'il y a quelqu'un qui est allé à la croix. Il a payé un prix énorme. Le prix de son sang. Il a racheté et il a fait de nous ses adorateurs. Il a fait de nous ses petits frères et petites sœurs. J'aime quand Dieu dit, quand la Bible dit, il n'a pas eu honte de nous présenter devant son Père comme ses frères. Alléluia. Alléluia. Commençons d'abord avec Éphésiens chapitre 6. Nous allons prendre le verset 16. Alors, comme c'est la première lecture, nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Éphésiens, je disais, chapitre 6, le verset 16. J'ai la version Louis Segond. Nous allons lire. C'est un verset que nous maîtrisons, que nous connaissons tous, mais c'est important de répéter la parole de Dieu. La Bible dit ceci: prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen.
Vous allez remarquer que dans les armes spirituelles que Dieu nous a données, lorsqu'on parle d'Éphésiens chapitre 6, nous voyons les armes que Dieu nous a données. Vous allez aussi vous rendre compte que la plupart des armes sont des armes défensives que les armes offensives. Alléluia. Amen. Mais vous devez comprendre aussi que quand Dieu parle du combat spirituel, il sait qu'il nous a déjà donné une victoire et nous devons entrer dans cette victoire. Je suis dans l'introduction de mon message, excusez-moi, mais j'aimerais qu'on tire quelques points parce que quand on finit un séminaire, des fois, on se dit non, moi, peut-être que je ne veux pas monter, mais c'est toi qui monteras. Quelqu'un peut dire amen bien. Alléluia. Je vais établir quelques principes et ça va vraiment nous aider. Alléluia. Je pose la question. Lorsqu'il y a une maladie, prenons par exemple le virus. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des coronavirus. Lorsqu'on dit qu'il y a virus qui est en train de battre son plein, en train de tuer et tout. Je crois que les chercheurs font un effort pour trouver les vaccins. Lorsqu'ils ont trouvé le vaccin, ça veut dire qu'ils ont déjà trouvé la solution. Alors, quand il y a la solution, on vient avec les vaccins. Est-ce que toi, tu vas commencer à étudier la maladie ou à étudier comment prendre les vaccins pour être guéri de cette maladie? C'est une question que je vous lance. Nous allons apprendre quoi? Nous allons chercher à connaître le nom du virus. Ce qu'il fait dans l'homme, comment ça détruit, où nous allons apprendre à comment prendre les vaccins pour être guéris de cette maladie. Je crois que tous ensemble, nous allons dire que nous allons chercher à comment utiliser le vaccin qui a été déjà trouvé, parce que c'est ça la solution. Mais par contre, aujourd'hui, dans l'église, au lieu de chercher à comprendre le remède, nous cherchons à connaître les démons. Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Excusez-moi, je ne prendrai pas le temps de vous enseigner les différents types de démons. Démons de pandémie. Il y a même des démons où même les diables, quand vous dites démons de tel, ils posent la question à Dieu, fille. Est-ce que démons peut angakaka? Oh, je m'attends, il y a angakaka. Parce que nous avons même inventé, nous avons créé des démons. Oh, tu as les démons de Sinanfou, moi je ne sais pas. Quand tu poses la question au diable, il dit Sinanfou, ma paix, ce démon en gala. Oh, tu as les démons de Sadi. Nous prenons plus le temps à étudier la maladie au lieu d'étudier la solution à cette maladie. Je ne suis pas contre ceux qui prennent le temps d'expliquer les différentes manières que le diable utilise pour détruire l'homme. C'est une très bonne chose. Mais laissez-moi vous dire, moi, ça n'engage que moi. Je ne prends pas beaucoup de temps à expliquer les démons. Premièrement, je me suis rendu compte que partout où on cite que le nom du diable et des démons, le diable se manifeste très puissamment dans ces endroits. Et partout où le combat spirituel n'est pas réellement spirituel, il y a le combat charnel et le diable les ronges, les esprits, les diables règnent. Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Lorsqu'il est venu, la Bible dit même les démons savent et ils s'agenouillent devant lui. Ils tremblent à la mention de son nom. Les diables tremblent, les esprits tremblent et ils s'enfuient. On l'aime maintenant de parler plus de Jésus en l'église. Nous parlons plus sur les démons, plus sur les esprits des morts. Et aujourd'hui, même les prophètes, il n'y a pas 4-5 prophéties. La première prophétie, c'est que je vois l'esprit des morts. Nous devons donner une offrande pour chasser l'esprit des morts. C'est bien s'il a réellement vu ça. Mais s'il n'a pas vu ça, en tout cas, vous êtes en train de passer votre temps inutile.
Je vois. Mais qu'est-ce que les prophètes voient aujourd'hui? Ils ne voient que cette maman. Maman a zana simanayo. Maman mon Natali na moni son. Nazo mona. Et là, ils ont une manière de faire les choses. Excusez-moi, je ne suis pas prophète, mais je suis impressionné par ce qu'ils font. Hein. Vous voyez qu'un prophète qui vient là, il commence à dire, tellement mon batumi sa tuna simanayo. Namoni maman moko, papa moko, yaya, oh lingo lingate na bota mana mama. Oh namoni ba koko mobi ba eh, ba papa ba maman nangana ba baza ba koko. Donc, basala, attends, moni, bah, moi, y a moté, vous déjà synonyme que vous n'avez pas enveloppé à kaki. Tu vois, c'est ça, maintenant, l'église aujourd'hui l'église est limitée par Soukana. Voix pour moi. Est-ce que Dieu ne peut pas se t'ouvrir les yeux pour voir? Si tu es là cherchant les hommes de Dieu par-ci par-là, parce que tu ne crois pas à l'homme que Dieu a placé ici devant toi, parce que lui, il ne voit pas. Et celui qui voit, c'est seulement celui qui voit des ancêtres. C'est lui là, c'est lui que tu vas déposer les enfants. Bien-aimé, si j'avais le temps, j'allais t'expliquer pourquoi ne pas avoir peur des morts et de l'esprit des morts. Mais si je peux te donner juste un point, je te dirais que nous sommes déjà morts en Jésus-Christ. Et ressuscité avec lui, assis là où il est. Mais tel il est au ciel, tel nous sommes. Quelqu'un pense que j'ai dit. Il y a des choses que nous devons mettre en place. Si nous ne savons pas mettre chaque chose à sa vraie place, nous risquerons de tourner en rond. Et tu vas commencer à taquiner l'homme de Dieu. J'ai comme l'impression que l'homme de Dieu n'a plus de puissance. Il a prié pour moi, mais je ne vois pas. Il a fait ceci, il a fait ça. Il a prophétisé pour moi, mais je ne vois rien. Et des fois, ce n'est pas les hommes de Dieu, c'est nous-mêmes. Vous connaîtrez la vérité. Celle-ci vous affranchira. Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Du fait qu'il est déjà là, je préfère encore te parler plus de Jésus que du démon. Parce que même les démons, ils savent que dès que tu auras la connaissance exacte de ton maître, tu n'auras plus jamais peur de ces gens. Tu n'auras plus jamais peur de ces gens. Tu as les attributs. Il a plusieurs attributs. Ces attributs sont liés aux exemples et aux expériences. Pourquoi on l'appelait Jéhovah Jireh? Parce qu'il a pourvu. Et Dieu est pourvoyeur. Quelqu'un dit un amen bien. Alors lorsqu'on dit Rapha, c'est Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Lorsqu'il dit l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Tu comprends au moins sur la terre qu'il y a un Dieu qui me protège, qui est capable de se battre contre l'ours et le lion pour que je sois protégé. Donc tu as plus besoin de connaître celui qui te protège que celui qui te combat. Pour celui qui te combat, tu as plus besoin d'avoir un aperçu général. Qu'est-ce qui lui permet de me toucher? Le péché. C'est comme ça. Tu vois tout ça là? Quand tu connais cet aperçu, tu fais un effort pour ne pas tomber dans ces points. Et tu te donnes plus à Jésus. Et lorsque tu es à Jésus, tu sais que tu as la confiance. Quelqu'un peut dire un amen. Dans la mauvaise façon de comprendre les combats spirituels, nous arrachons même là où on ne peut pas arracher. Tellement il faut arracher trop, arracher nos sapiens, pas qu'on lui place au chabat de mariage. Tout ça parce que nous voulons toujours arracher, arracher, arracher. Il y a chaque chose. N'a pas comme nous, nous avons beau examen bête, examen l'amour, mais ça là, on a n'engue singeni, n'engue longo bani. C'est pourquoi nous venons dans l'église de Dieu. Nous venons dans l'église pour apprendre ce qui est écrit dans notre testament. Pour l'église, ça vient qu'on t'a la personne de ce monde. Et quand nous connaissons notre droit, ça peut nous permettre d'aller en avant et de réussir dans tout ce que quelqu'un dit un amen bien. Amen. Je donne un exemple. Regarde le papier mouchoir. Merci beaucoup. Regarde ce qui va se faire. Venez, s'il vous plaît. Arrache. Et ça y est. Mais tant que l'on a arraché ça, il est. Mais ce qui n'a lobby, je te donne. Ça, c'est ce qu'on voit au Mobimba. Au Mobimba. Je te donne. Reçois. Tu vois recevoir? Tu vois arracher et recevoir la différence? Quand tu cherches à arracher, tu risques même de détruire ce qui t'appartient. La Bible dit Dieu a tant aimé les morts.
Il nous a donné. Est-ce que la chose qui est donnée, on peut l'arracher? Quand on donne, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit. J'ai pris que tu reçois la grâce de Dieu. Ah, celui qui a dit un amen bien à soi. Alors j'aimerais parler d'une histoire qui a fait que j'ai créé ce message. C'est une histoire vraie. Alléluia. Amen. J'étais déçu. Je suis resté dans ma chambre avec un ami, c'est un maître avocat. J'appelle, toi-même tu connais dans ces affaires-là. Tu appelles, personne ne décroche. Quand tu essaies d'expliquer, personne ne te comprend. Une semaine, il n'y a pas de contact entre moi et elle. Je l'appelle, elle ne veut plus recevoir mes appels. Je suis resté à ma maison. Mon cousin était là, il me dit, pasteur, passe à Zabunazo, Lia. Lia, pasteur, petit Zola, tout à l'heure. Moi, je me suis dit, peut-être que ça va l'engager en Zabunazo, Lia. Je n'avais même plus d'appétit. Alléluia. Et pendant que j'étais là, il a cherché à m'avoir. Parce qu'il parle beaucoup et il a des histoires. Là, je ne sais pas si ça vient de lui. Il a commencé à me donner des histoires. J'étais toujours là, attristé. À la fin, il me dit, est-ce que tu sais ce qui vient de se passer à Kikuitrois? De là où nous étions passés. Hein? Il dit, tu sais ce qui s'est passé? Ah, il dit, le maître Gilles était revenu. C'est quoi l'histoire en fait? Le maître Gilles, c'est un homme fort. Tout qui écoute le connaissait. Parce que à chaque fois quand il y avait des bagarres des quartiers, on venait le voir. Un homme, c'est un sportif, c'est-à-dire c'est un maître. Et chaque fois qu'il y avait des problèmes, si des gens te disent que le maître Gilles viendra, toi-même, tu n'as pas le choix, tu dois céder parce que ce qu'a bétonné ma police, ma camarade est sauté. Alléluia. Et le maître Gilles, à un moment donné, s'est dit, moi je veux aller en Angola pour chercher de l'argent. Il a fait tout ce qu'il devait faire. On a vendu ce qu'on devait vendre. Il est allé en Angola. Arrivé en Angola, les choses n'ont pas marché. Mais pendant son absence, sa famille était exposée. Tout le monde commençait à mépriser sa famille. Tout le monde a dit, yo, qu'est-ce que tu as dit? 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 Pourquoi? Parce que maître a dit ça. Les membres de sa famille étaient ridicules. Même sa mère. Un jour, Gelor est sorti. De son retour, constate que Gelor, on avait cassé le bras. Il pose la question, mon fils, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, je suis allé là-bas, viens m'ont récupéré, m'ont posé la question, où est ton frère? J'ai dit, il est allé en Angola. Il dit, le bas, il dit, non, lorsque je voulais dire, ils ont commencé à me tabasser, et l'autre là, il m'a cassé la gueule. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, rien. Et la maman qui va maintenant vers la famille qui a agressé leurs enfants. Et là, c'est son ami. L'ami du maître Gilles de Gaulle. Il dit quoi? Il dit quoi? Le mot qu'on a, quand c'est qu'elle a giflé maman, il y a Gilles. Ah! Gilles était attristé là-bas. On l'a appelé pour lui dire, Yaya Koto yo, ma cambo, on a commencé à nous tabasser, on a commencé à faire ceci, cela. Or, il y a des moments où en Angola, on fait que refouler les Congolais. Et il s'est retrouvé parmi les gens qui ont été refoulés. Il se retrouve maintenant à Tembo. À partir de Tembo, il n'a pas d'argent. Et il veut maintenant demander à la famille d'envoyer de l'argent pour qu'il quitte Tembo, sortir à Kayemba, Kayemba pour venir à Kipu. Imaginez-vous, avec la colère qu'il avait, il arrive et c'est la famille qui lui paye les billets pour rentrer. Le même jour, il descend à la maison. C'était les larmes, si je peux le dire. Et les gens commencent à pleurer. Sa maman est tombée sur ses pieds. Il dit, Gilles, pourquoi tu étais parti? Nous sommes devenus ridicules. On ne nous respectait plus. Voilà ton frère. On l'a même cassé les bras. Innocemment. Il dit, quoi? Il dit, donnez-moi 5 minutes. Il entre dans sa chambre. Il met, on appelle ça les dorotis. Hein? C'est qui pratique les sports. Je l'ai tenu là. Il dit, ok, ça va? Il y a un toit là, il y a un toit là. Mais il y a un toit là. Il y a un toit là.
Mais les autres sont venus en disant non, 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 je
tu dois revoir ta vie. Hein? Non, avec ce genre d'histoire, Dieu ne peut jamais permettre à ce que quelqu'un soit nombre et vivre ce que tu vis. À toi, tu dois revoir ta vie. Tu passeras des moments où personne ne comprendra que tu es. Même toi-même, tu te diras, est-ce que j'aime vraiment Dieu ou pas? Je peux même vous choquer. En venant, j'étais assis sur la moto. J'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, Seigneur, pendant tout ce temps que j'étais seul, pourquoi tu continues à permettre que je sois comme ça? Même pour un synthétiseur, je dois me déplacer pour prêcher dans plusieurs églises pour trouver un synthétiseur pour mon église. J'ai commencé à me plaindre à moi-même. Et tu sais, pendant que je disais ça, le Saint-Esprit m'a dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Tu sais que quand tu lis ces passages, tu vas te rendre compte qu'il y a des mauvaises choses qui commencent avant. Le temps de pleurer, le temps de rire, le temps de... Et même quand tu lis la Bible, le livre de Genèse, vous allez remarquer quelque chose. Je ne sais pas si tu as aussi remarqué ça. La Bible dit, lorsque Dieu créa, il crée la lumière. La lumière était venue. Mais quand on commence à compter, on dit, il y a eu un soir et un matin. Comment ça? Il y avait les ténèbres. La lumière est venue. On devait commencer par il y avait le matin. Mais pourquoi on dit il y avait le soir? Et c'est par là que j'ai compris. Les mauvaises choses peuvent venir. Mais Jésus, quand il vient pour chasser ces choses, pour rétablir la lumière. Même quand la lumière est là, on commence par le soir. C'est-à-dire que tu peux pleurer, mais après avoir pleuré, tu viendras par rire. J'ai pris seulement que tes pleurs ne s'enlèvent pas sur tes visages. Échanger kakandé. Et le mwakolé la mawe comme le mwakolé la essai. Ah, quelqu'un peut dire l'amène bien. Quelqu'un peut dire l'amène bien. Dieu lui-même dit, l'hippopotame, le premier de mes œuvres. Mais je viens maintenant dans Proverbe chapitre 8. Je vois la sagesse qui crie premier. Ils ont quand même rien au père. Il dit, c'est moi qui ai été créé le premier. Il dit, j'écris, est-ce que vous ne pouvez pas entendre? Lis ça dans le livre de Proverbe chapitre 8. Tu peux lire tous les chapitres. Tu vas voir comment la sagesse crie. Il dit, je me place sur le haut de montagne, le sommet de montagne. Et je me présente dans le croisé des chemins. Tu poses la question. Dieu lui-même dit que c'est l'hippopotame le premier. Et maintenant la sagesse qui crie aussi, disant que c'est moi le premier. C'est moi qu'on a créé en premier. Et c'est moi qui fais gouverner même les. Il se vante. Il dit, vous avez besoin de moi. Pour Jésus, vous avez besoin de moi, la sagesse. Il dit, la sagesse ne crie telle pas. Je me place dans tel endroit. Et dans les endroits où il dit qu'il se place, on représente les sommets des montagnes. On représente les croisés des chemins. Je me pose la question. Qui est maintenant premier? Et quand tu parcours encore la Bible, tu vas dans le Nouveau Testament, c'est là où dans Colossiens chapitre 1, où la Bible dit que Jésus-Christ est le premier né de tous. Donc comment maintenant conclure qui est exactement le premier? En faisant des recherches, un jour Dieu m'a ouvert les yeux. Tu m'as dit, lorsque j'ai parlé de l'hippopotame, c'est un langage codé. Je ne pouvais pas parler de Jésus-Christ à Job. Parce qu'à cette époque-là, Jésus-Christ n'était pas venu comme Emmanuel. Et si je disais que je suis Emmanuel, je suis Jésus, il n'allait pas comprendre. Il a fallu parler de l'hippopotame. Il a parlé de l'aigle, il a parlé de plusieurs, mais il a aussi parlé de l'hippopotame. Mais quand il parle de l'hippopotame, il dit, ses couilles se sont entrelacées. Il trouve sa pâture sur les montagnes. Mais il couche sous les lotis. Dans d'autres versions, il dit les oasis. Quelqu'un comprend cet exercice? C'est là où ça pose le vrai problème. Il y trouve sa nourriture sur le sommet des montagnes, mais il couche sous les eaux. Or, la Bible dit, il a élevé sa parole au-dessus de lui-même. Quand on parle qu'il a élevé sa parole au-dessus de lui-même, qui est la parole? Jésus. L'eau représente la parole. Jésus représente la parole. Mais il a élevé
sa parole au-dessus de lui. C'est comme ça, tout ce qu'il a dit, personne ne peut le changer. Même si tu reçois les bénédictions d'un homme de Dieu, crois que tu es béni. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, tu es béni. Tu vas te poser la question pourquoi. C'est parce que tu as choisi un bon emploi. Tu as choisi un bon emploi. Là où on te prêche l'évangile pire. Là où on t'aime. Quelqu'un peut dire amen bien. Alléluia. Il dit, il trouve sa nourriture sur les bons. Mais il couche sur les lotis. C'est par là que j'ai compris que lorsqu'on parle de l'hippopotame, on parlait que de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de sagesse, la sagesse écrit elle-même. Il dit, voilà, je suis ce que je suis. Je donne de la sagesse. Je donne de l'intelligence. Je fais asseoir les présidents de la France. Je me localise sur les cimes des montagnes. Et j'habite sous les lotis. La sagesse. La sagesse a crié. Mais lorsque je suis entré encore dans les Écritures, je me suis rendu compte que le croisé des chemins. Il y a une histoire qui me parle de ça. La Bible dit un jour, il y a une femme qui était veuve. Elle avait déjà perdu son mari. Vous connaissez bien l'histoire. Je connais pourquoi je ne donne pas trop de versets, parce que je sais que vous êtes dans une église bien assise. C'est comme ça que je ne prends pas beaucoup de temps. Je vous donne juste les illustrations parce que vous les connaissez déjà mieux que moi. Alléluia. Vous connaissez tous l'histoire de la veuve de Naïm. La Bible dit qu'il avait déjà perdu son mari. Dernier espoir, c'était que son enfant. Et du coup, cet enfant aussi est parti. Et lorsqu'on allait pour l'enterrer, comme dans la loi, c'était bien défini, on ne pouvait pas enterrer quelqu'un dans la ville. Alors, la ville était fortifiée, très clôturée. Il y avait les portes d'entrée et les portes de sortie. Alors, on ne pouvait pas enterrer dans la ville. Il faut faire sortir avant d'enterrer. Et pour cet enfant aussi, je ne sais pas combien de jours ils ont eu à faire pour pleurer le funérailles. Je ne sais pas, ça a pris combien de jours. Mais ce que la Bible nous dit, c'est le jour de l'enterrement, ils avançaient pour aller enterrer l'enfant. Et pendant qu'ils avançaient pour enterrer, la Bible dit, ils sont arrivés à la porte. Or, à la même porte, il y avait aussi quelqu'un qui entrait. Et ils étaient en train de sortir, une autre personne entrait. La sagesse dit, je me localise dans des croisées de chemins. Quelqu'un comprend? Et dans des portes d'entrée. Ça, c'est la sagesse qui dit. Si on avait le temps, j'allais vraiment lire ça. Alléluia. C'est là l'emplacement de la sagesse. Alors, il y a on appelle ça quoi? Deux cortèges qui arrivent. Le premier cortège vient avec un enfant mort. Il est le fils unique. Mort. Sa mère est en train de pleurer. Les gens venaient entonner des chansons funèbres. Mais de l'autre côté, il y avait aussi un autre cortège qui venait avec un fils unique. Mais ce fils unique était vivant. Mais ils arrivent maintenant à l'entrée. Jésus vient pour entrer. Et ils viennent pour sortir. Entre l'entrée et la sortie, à la porte, c'est là où se trouve le croisement. Oh, du fait que la sagesse habitait dans le croisement des chemins, dans les portes d'entrée, j'ai compris que ce jour-là, la sagesse multivariée de Dieu était là pour changer les situations. Ils sont arrivés à la fin. C'est la porte. À la fin, pour enterrer. Mais Jésus-Christ est arrivé au début, à l'entrée. Et il sort, Jésus entre. C'est comme ça que je veux dire à quelqu'un. Là où tu te limites, tu dis c'est la fin. Je ne sais plus rien faire. Je ne sais plus où commencer. Je ne sais comment faire. Quand tu arrives à la fin, sache qu'il y a quelqu'un qui est le maître des croisements, le Dieu des entrées. Toi, tu es arrivé à la sortie. Tu te dis, je ne sais pas comment m'en sortir. Je suis déjà arrivé au bout. L'espoir s'est envolé. Je ne peux plus rien faire. Parce que là, déjà, il n'y aura plus de miracle. S'il pouvait y avoir un miracle, c'est pendant qu'il était à la maison. C'est pendant qu'on pleurait. On pouvait venir prier pour l'enfant. On pouvait venir intercéder. Mais personne
personne n'est venu. Les hommes de Dieu étaient là. Ils pouvaient aussi le faire. Personne ne l'a fait. C'est ce jour-là. Quand l'espoir s'est envolé. Oh, il y a une chanson que je suis en train de composer. Nous avons dans le Baninabi. Osanzanpoyo. Olandelanga espoir oyekima. Okatelanga ma papou espoir. Oyebisanga na tika la nesika nanga. Nous avons dit que les Français ont envolé. Quand quelque chose s'envole, ça veut dire ça a des ailes. C'est exactement pour ça la mine. Et pourquoi? Quand vous avez dit que l'espoir s'est envolé, c'est comme pour dire que l'Ikia est un des sous-sous. Si vous avez dit que l'Ikia est un des sous-sous, il y a un peu de temps. 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 Il y a Mais na mwanda balo baka fwanda nge sui kunikana nikana ve kusambaka na sambaka na ve fwanda nge sui fwanda nge fwanda nge sui fwanda nge sui Omanika plaso za wana plas li bana no ezali kaka plaso za wana plas mosolo no ezali kaka wwa ata wabi ekisa wanku tu wabasa lakaya kotanga profola basa kotanga seke nzamba kotanga ngayi po sika wama kwa kotanga temo ya nzamba tanga yo soki bako kwa kotanga seke bako koma pena turna yo soki wabandai na 1 yebake 2 pe ezali afama koma na 6 yebake 5 pe ezali na sambeli kaka nengo fwande sui li pambo lilo ya wana Mais pendant qu'il sortait, il y avait croisement. Et c'est là où la sagesse se met dans des croisements.